Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Tout de suite les titres. L'ancienneté, le stress, les mauvais souvenirs du passé font partie de notre quotidien, ce qui affecte à coup sûr notre santé mentale. Ce 10 octobre, le monde célèbre la Journée internationale de santé mentale sous le thème « Faire de la santé mentale pour tous une priorité ». Et puis créer son entreprise en ligne est une solution attrayante pour les entrepreneurs. Il suffit juste d'utiliser une application en ligne et tout est fait. Un atelier a été ouvert ce lundi au ministère de la Justice pour la mise en œuvre de ce nouveau système. Enfin, un autre titre, la maladie de la structuaire brune et mosaïque de manioc menace la sécurité alimentaire de plus d'un million de personnes en Afrique centrale et orientale. En RDC, un groupe des chercheurs de l'INERA ont effectué une visite au centre de recherche de Mvuzi dans la province du Congo central. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue aux 20h. C'est sa toute première causerie morale. Le tout nouveau commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi Kiriza, a demandé à tous les militaires sous son commandement de remplir avec abnégation la mission leur confiée. Une occasion aussi pour lui de remercier le commandant suprême, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour sa nomination. Un reportage de Jojo Ndimbo. C'est la toute première parade du tout nouveau commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi Kiriza, depuis sa nomination par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FRDC et de la PNC. C'est au camp colonel Tchatchi qu'a eu lieu cette causerie morale ce lundi 10 octobre 2022. Le commandant de la garde républicaine a scindé son message sur quatre points essentiels. D'abord, ses remerciements auprès du chef de l'État pour la confiance placée en sa personne ainsi qu'aux militaires sous ses ordres pour leur dévouement. Ensuite, la redynamisation et la cohésion au sein de la garde républicaine ont également été évoquées au cours de cette grande parade. Enfin, il a fait savoir que la discipline doit être de stricte application au sein de la garde républicaine afin de bien assurer la protection, la sécurité du chef de l'État, de sa famille biologique, de ses biens ainsi que de ses hôtes de marque. Mes hommages le plus déférents sont adressés au président de la République. Je vous exhorte à répondre positivement aux ordres du commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Défilé militaire au pas cadencé de la fanfare de la garde républicaine a clôturé cette grande parade. À l'occasion du 60e anniversaire de l'Ouganda, le président ougandais Yoweri Museveni a reçu le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Jean-Pierre Liaou est porteur d'un message de solidarité et de fraternité entre les deux peuples. Cédric Enina, Moké Maloma, nos envoyés spéciaux à Kampala. Un échange sous les deux tentes des Spike Resort Munyonyo Hotels. Yoweri Kaguta Museveni, président de l'Ouganda, reçoit le message de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. En si peu de mots, un message de paix, de solidarité et de fraternité. Précision du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Nous sommes deux voisins avec l'Ouganda, nous partageons le même espace géographique. Donc il est donc important aux yeux du président de la République de pouvoir construire dans une sorte de mutualisation de forces et des efforts ensemble une paix durable dans la région. Aucun État, aucun pays ne peut se construire son carcan seul et dire qu'il est sécurisé. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir considérer que nous partageons un espace où sévit le terrorisme soutenu par malheureusement certains États. Il est donc important que nous puissions avoir un langage de vérité, un partenariat de sincérité, construire des schémas pouvant permettre à ce que nos pays respectifs puissent asseoir une paix durable afin de mener la seule guerre qui vaille, c'est la guerre contre la pauvreté, la guerre contre le sous-développement et offrir à nos peuples des perspectives d'avenir pour l'émergence. Et je crois que c'est ça le plus important et c'est ça la vision du président de la République, chef de l'État.
le président Museveni a à son tour transmis un message à son homologue congolais et dont la primeur est réservée, selon les propos du vice-premier ministre, au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire général au ministère de la Santé a procédé à l'ouverture de l'atelier d'élaboration de la feuille de route de plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour le financement de l'INERBE Goma. Un reportage de Nicole Cessep. Dieu merci, Sueka. Ces travaux de 3 jours réunissent les experts du ministère de la Santé, de l'INERBE Kinshasa et Goma, de l'USAID et d'autres partenaires. Objectif, identifier les organisations partie prenante au financement du plan opérationnel de l'INERBE Goma, obtenir des contributions pour les financements et élaborer une feuille de route. Pour les directeurs pays de l'USAID dans l'est du pays, Dr Numbi, les choix de l'INERBE Goma se justifient par la présence des épidémies dans cette partie de la RDC. Et l'INERBE Goma a été justement implanté dans cette partie pour rapprocher les services de détection et de surveillance des maladies infectieuses à potentiel épidémique vers la périphérie, c'est-à-dire vers les parties où il y a plus ces maladies. Le secrétaire général à la santé, Dr Bodi Ilonga Bompoko, a demandé aux participants de maximiser ces temps pour permettre à l'INERBE Goma de bien mobiliser des ressources pour son financement. Je compte sur votre engagement et votre participation active aux travaux pour qu'à la fin de ceci, nous puissions rationaliser déjà les ressources mobilisées, être capables d'obtenir l'engagement et l'implication d'autres partenaires techniques et financiers. Ces assises vont se clôturer le mercredi après les travaux en commission. Le monde célèbre la journée mondiale contre la peine de mort, une journée consacrée à la réflexion sur le lien entre la torture et le recours à la peine de mort ou d'autres peines et traitements cruels. En RDC, plus précisément ici à Kinshasa, plusieurs manifestations ont été organisées au Centre d'études pour l'action sociale. Un reportage de Guy Matundu. La peine de mort, un chemin pavé de torture. C'est autour de ce thème que les abolitionnistes du monde entier ont choisi pour célébrer la journée du 10 octobre. En RDC, Lievin Gondji, le porte-étendard des abolitionnistes, fait un plaidoyer auprès des décideurs pour abolir cette peine. Abolir la peine de mort était un engagement politique, hein, mais je pense que le président Tshisekedi a montré qu'il pouvait soutenir des personnes condamnées à mort. Il a ordonné que le Edi Kapende sorte de la prison. C'est une bonne chose parce que ça faisait partie de notre combat. Le premier combat que nous avons commencé, c'est celui-là. Nous espérons que, notamment par votre canal, il va comprendre que nous avons besoin de lui. Le ministère de la Justice émet le vœu de voir cette journée ouvrir la voie à de nouvelles synergies devant amener à des ajustements nécessaires pour atteindre l'idéal d'abolir la peine de mort. Madame Christelle Vuanga, du réseau des parlementaires contre la peine de mort, a fait l'historique de cette peine en RDC avant de la qualifier de l'expression du mépris des droits humains. Le diplomate allemand en poste à Kinshasa a retracé l'évolution de la peine de mort dans son pays depuis 1948. Un parcours jonché d'échecs et de réussites. Il souhaite que ces discussions animées aboutissent à des travaux productifs. C'est depuis 20 ans que Culture pour la paix et la justice mène une croisade contre la peine de mort avec des résultats comme en Afrique centrale où 10 de 12 pays ont déjà aboli cette peine. Je l'ai dit au sommaire, une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques. Désormais, il leur sera plus utile de se présenter au niveau des services de l'État pour créer sa propre entreprise. Il suffit juste d'utiliser une application en ligne et tout est fait. À cette occasion, le ministre de la Justice a procédé à l'ouverture de l'atelier pour la mise en œuvre de ce système. Oscar Mbalkaïj pour le reportage. Organisé sous les auspices de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo-Kiessé à l'Institut national de formation judiciaire INAFORGE vise l'amélioration du climat des affaires. Pour le vice-ministre de la Justice, Amato Balbasiré, l'importance de cet enregistrement en ligne n'est plus à démontrer au regard des difficultés rencontrées par les guichets uniques. L'importance que revêt le sujet d'aujourd'hui, à savoir
l'enregistrement en ligne des entreprises au guichet unique n'est plus à démontrer, et c'est au regard de l'évolution même de la création d'entreprises, corollaire de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays en premier lieu, et ensuite au regard des difficultés rencontrées actuellement par les guichets uniques. Le ministère de la Justice attend des participants des réflexions sur les systèmes d'enregistrement en ligne, des informations relatives à l'enregistrement d'entreprises, les modalités de traçabilité de gestion des opérations de la création d'entreprises en ligne, de la création d'entreprises en ligne, ainsi que les pistes des solutions. Sache aussi que la ministre de l'Emploi séjourne dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Claudine Ndoussi inspecte les différents sites de la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité. William Tounakov pour le commentaire. Après la visite du centre orthopédique en construction au quartier Kasangiri, sur la route Kasenga à Lubumbashi, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi-Mwakembe, qui a consacré la journée de samedi 8 octobre 2022 à la visite des différents sites de la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, s'est rendue au siège provincial de la CNSS Katanga 1, situé sur le quartier Makomeno, où elle s'est imprégnée du fonctionnement des différents services dans ses installations en location sous la guidance de la directrice provinciale. Dans son mot de bienvenue, Karine Mavung, en présence de la présidente du conseil d'administration de la CNSS et d'autres membres de la délégation de la ministre, a brossé de manière succincte la situation générale de sa direction avant d'exprimer le vœu de cadres et agents, celui de regagner leur ancien bâtiment administratif qui nécessite une réhabilitation complète en vue de leur permettre de prester dans les meilleures conditions possibles. Cela fait 2 ans que nous n'occupons pas notre bâtiment administratif qui devrait subir les travaux de rénovation, lesquels jusqu'à ce jour n'ont pas encore démarré. Les conditions de travail dans les bâtiments que nous occupons actuellement ne sont pas dignes. Le personnel de la CNSS Katanga 1 a pour sa part salué les efforts déployés par Claudine Ndoussi-Mwakembe depuis son avènement à la tête du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale en avril 2021. Notamment, la révision à la hausse de l'enveloppe au profit des retraités et autres rentiers du régime général de sécurité sociale en République démocratique du Congo. Et puis la 65e réunion régionale de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique s'est clôturée le vendredi. Au cours de cette réunion, les pays membres de l'OMT ont plaidé pour la non-obligation des visas tourisme pour faciliter l'interconnexion des touristes dans la région. Cette grande réunion a réuni 25 ministres du tourisme et représentants des hauts rangs de 35 pays et les dirigeants du secteur privé. Bobo Samba pour le commentaire. Dans son mot de clôture, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zura Pololikashvili, n'a pas manqué de féliciter le comité régional de l'Organisation mondiale du tourisme, Afrique, pour l'organisation de ce forum, ainsi qu'à la République unie Tanzanie pour l'accueil et la disponibilité. Rappelons que cette 65e réunion de la commission régionale de l'OMT pour l'Afrique a réuni plus ou moins 25 ministres du tourisme et représentants de haut rang de 35 pays ainsi que des dirigeants du secteur privé. La République unie de Tanzanie a quelques jours après célébré la journée mondiale du tourisme, thème retenu, repenser le tourisme en mettant l'accent sur l'innovation, la stratégie de marque, l'emploi et l'éducation ainsi que le partenariat. Pour finir, les membres ont voté à l'unanimité l'île Maurice pour abriter la 66e réunion de la commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique. Plus question pour la RDC d'importer les emballages en plastique biodégradables et recyclage destinés au ciment et aux produits agricoles. L'usine Bax & Sac, située dans le Congo central, est financée par le FPI. Elle compte étendre sa production dans l'espace Grand Katanga. Pour ce faire, elle sollicite un préfinancement auprès du Fonds de promotion de l'industrie. Un reportage d'Alain Bikaï.
dans les installations de la société BATS et SATS, une usine de production et commercialisation des sacs d'emballage en plastique biodégradable et recyclable destinés au ciment et aux produits agricoles à Kipese dans le Congo central, était une occasion pour le directeur général du Fonds pour la promotion de l'industrie, Bertin Moudimou, qui a voulu se rassurer de la capacité opérationnelle de cette unité de production bénéficiaire d'un financement de cet établissement public. Question d'envisager un refinancement de cette société qui veut étendre sa production dans l'espace Grand Katanga. Il y a une demande importante en sac dans le Katanga et Bakken Sac est intéressé à pouvoir répondre aux aspirations de ces opérateurs économiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour nous rassurer de l'efficacité de l'investissement réalisé ici à Kimpese et que nous puissions accompagner également Bakken Sac dans la réalisation de ce même investissement dans le Katanga. Les constats établis par Bertin Tshisekedi Moudimou en visitant la chaîne de production de cette usine révèle que les BATS-SATS fonctionnent très bien. Les outils de production installés répondent aux normes internationales. Sa production permet à la RDC de combler les besoins d'importation de plus de 3 millions de sacs par an et voire même les pays voisins. Les jeunes de la province du Lualaba vont être formés dans la transformation et conditionnement des produits agricoles locaux. Les travaux de la construction du centre d'apprentissage ont démarré en début du mois d'octobre. Joël Makela pour le reportage. Province minière du Lualaba veut diversifier son économie. Pour ce faire, un centre d'entrepreneuriat des jeunes en agro-business est en construction dans la ville de Kolwezi. C'est avec l'accompagnement de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire CAPUDC. Pour le numéro 1 de ce programme, Philippe Ngwala Malemba, ce centre constitue une véritable opportunité d'emploi et de renversion socio-professionnelle. La matérialisation de ce projet va également réduire à coup sûr la dépendance alimentaire de la République démocratique du Congo vis-à-vis des pays voisins. Il va s'agir précisément de la production, de la transformation et du conditionnement des produits agricoles locaux selon les normes et standards internationaux. C'est un projet très suivi par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je voudrais dire ici que lors de la signature des accords de dons et de prêts de ces projets entre la Banque africaine de développement et le gouvernement de la RDC, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenant la mesure de l'importance stratégique de ces projets. Ici, nous sommes venus palper du doigt la rentrée scolaire de la toute première cohorte des enfants qui sortent des mines de cobalt pour les insérer dans la scolarité, dans l'école, mais également pour lancer les travaux de construction des centres de promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en agro-business. Cette initiative vise l'autonomisation de la femme, la formation professionnelle, la promotion de la jeunesse. Elle vise par ailleurs les enfants afin de mettre fin à l'exploitation des mineurs dans les sites miniers. Difficile pour les populations des provinces du Grand Kassai et de l'Équateur de s'approvisionner en carburant. Ajoutez à cela l'augmentation du prix du carburant à la pompe et le non-respect par les opérateurs économiques de la structure des prix. Et pour pallier cette situation, les responsables des entreprises pétrolières et opérateurs économiques se sont réunis pour trouver une solution heureuse liée à la difficulté dans l'approvisionnement du carburant. Séverine Katanda. Les produits pétroliers est devenu une denrée rare dans les provinces du Grand Équateur et Grand Kassai. Les causes sont multiples. Les manques d'infrastructures routières et ferroviaires, les manques des balisages du fleuve Congo et rivières, les manques des dépôts appropriés. Les coûts du carburant très élevés de ce coin du pays inquiètent les autorités politico-administratives. Le gouverneur de ces provinces et les responsables de sociétés pétrolières se sont retrouvés en table ronde le lundi 10 octobre 2022 pour trouver des solutions idoines et pérennes. Cette rencontre sensible, hautement économique et stratégique a été présidé par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimboutou-Bouanga. Quand on parle de tout ce qui est carburant, de tout ce qui est hydrocarbures, on parle de l'économie. J'ai demandé qu'on puisse se réunir pendant ces deux journées
de façon qu'en sortant d'ici demain, que nous puissions avoir une feuille de route que je présenterai au gouvernement. Parce que même au niveau de l'intérieur, ils ont besoin de sentir que c'est un nouveau gouvernement qui est là, c'est un nouveau chef de l'État qui est là, qui a une vision, qui est le peuple d'abord, qui veut réellement changer son pays et faire avancer son pays. Les gouverneurs des provinces, vous connaissez mieux les problèmes, chacun connaît ses problèmes au niveau de sa province. Et c'est l'occasion que vous puissiez nous dire là où ça bloque réellement, débloquer la machine et faire avancer les choses. Pour le gouverneur présent à cette table ronde, la relance des activités pétrolières dans leur province va diversifier et booster l'économie. L'université panafricaine a organisé une conférence d'orientation académique à l'intention des étudiants organisés, des étudiants finalistes du cycle universitaire dans différentes filières. L'objectif est de produire une main-d'œuvre de qualité dans les milieux professionnels. Anastasie Ndoumbo. Le but d'aider les étudiants à être orientés dans les filières académiques et à trouver des débouchés, que cette conférence a été organisée. Le professeur Moussa Kalombo-Célestin a démontré les missions de l'université, à savoir la réflexion, la formation et la recherche fondamentale. Pour cet intervenant, l'importance est d'aider la jeunesse à mieux s'orienter dans le monde professionnel. La jeunesse congolaise est dans le chômage dans sa grande majorité. Il a fallu que lors des inscriptions qui sont déjà lancées, qu'on puisse aider la jeunesse à comprendre comment s'orienter dans les différents domaines, dans les différentes filières et dans les différentes mentions universitaires afin de pouvoir embrasser demain le monde professionnel. Cette conférence d'orientation qui consiste à savoir comment on peut opter pour tel ou tel autre domaine par rapport à ses aptitudes, par rapport à ce qu'on a comme ambition. Les réflexions qui sont sorties de cette salle devront effectivement guider les étudiants finalistes à pouvoir opter pour un domaine précis qui pourra les aider à rendre service à la société, et précisément à la société congolaise. Le secrétaire général académique de l'UPGI, M. Bissa, a insisté sur la fiabilité du système LMD nouvellement introduit dans les systèmes universitaires congolais. Ce système permettra aux étudiants de faire face aux réalités de la concurrence locale. Le forum Kelo Bantu a organisé une table ronde à l'intention des médias. L'objectif est d'améliorer le capital humain dans le but de développer le pays vers une RDC hautement performante. C'est le thème exploité lors de la troisième édition de ce forum. Mireille Ndeke et Pompon Mumba. Secteur de la communication en RDC tarde à se développer malgré des avancées significatives enregistrées dans le secteur. Pourquoi ce média se développe-t-il si lentement? C'est à cette principale interrogation que les participants au forum Kelo Bantu ont tenté de répondre. Une initiative de la société Sodeico Développement en collaboration avec le Conseil international des industries suédoises. Et ce, dans le but de renforcer le capital humain en milieu des entreprises pour la promotion du développement de la RDC. Vers une RDC hautement performante, tel est le thème décortiqué au cours de cette troisième édition. Ce qui a été particulier dans cette troisième édition, je pense que c'est beaucoup plus d'engagement des gens. Ce qui est important pour Kelo Bantu, c'est le développement du capital humain congolais. Si nous voulons avoir un développement du capital humain congolais, nous devons impérativement tous mettre la main dans la pâte et travailler ensemble pour que cela se fasse. Et ça commence par un dialogue. Pendant trois jours, les participants à ces assises ont bénéficié des enseignements, des ateliers autour de plusieurs thématiques, notamment le développement personnel, gestion des carrières, le numérique comme solution RH, les personnes vivant avec handicap et autres facteurs discriminatoires, ainsi que le leadership féminin. En tant que femme et précisément scientifique, j'encouragerai les jeunes femmes à ne pas se laisser prendre par les différentes stigmatisations, parce que la femme est une force. Kelo Bantu, ce sommet sur le capital humain, a donné une place prépondérante aux médias pour un travail décent et compte, dans cette optique, favoriser un partenariat plus solide entre l'employé et l'employeur. Parlons de cette menace de la culture du manioc par le striure brune du manioc, une maladie virale qui risque de provoquer une insécurité alimentaire. Si l'on n'y prend pas garde, les chercheurs de l'Institut international de l'agriculture tropicale et IITA ont effectué une visite au centre de recherche de Mvouzi dans le Congo central dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Jojo Ndibou.
La striure brune du manioc est une maladie virale connue depuis de nombreuses années dans les régions côtières d'Afrique de l'Est. Elle a été aussi observée dans les provinces de l'Est de la RDC et aujourd'hui, cette maladie touche la province du Congo central. Cette lutte du manioc a été une initiative de l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, en sigle, financée par l'USAID pour lutter contre ce fléau qui menace la culture du manioc. En collaboration avec l'INERA, l'atelier de clôture des Mbanzangungu avait pour but celui de remercier les différents partenaires qui ont fourni des efforts pour arrêter la progression de la maladie. En présence du directeur de cabinet représentant le ministre de l'Agriculture empêché, de madame la directrice de l'USAID, du représentant de l'IITA et du directeur général de l'INERA, le professeur Loutaladio, que les chercheurs venus des différents coins du pays ont tenu à exposer les résultats des différentes recherches menées sur le terrain selon les réalités du coin et de partager les différentes informations utiles en vue de prévenir la striure brune qui risque de provoquer une insécurité alimentaire et des pauvretés dans notre pays. Une visite de terrain était organisée au centre de recherche de Mvoisy où les chercheurs de cette institution ont présenté les champs de manioc qui ont attiré la curiosité d'un participant par les explications bien fournies. Cette visite de terrain a été honorée par la première visite du directeur général qui, depuis sa nomination à la tête de l'INERA, a apprécié le travail réalisé par les chercheurs de l'INERA. Et puis, célébrer tous les 10 octobre de chaque année, la journée mondiale de la santé mentale offre l'occasion de susciter un regain d'intérêt à l'égard des maladies mentales dont la charge ne cesse de s'accroître en Afrique, principalement chez les enfants et les adolescents. Le thème retenu pour cette année 2022 est faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale. Avant la pandémie, on estimait déjà à plus de 116 millions le nombre des personnes vivant avec les troubles mentaux. Dans la région africaine, à ce jour, on compte moins de 2 agents de santé mentale pour 100 000 habitants. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Le ministre d'État, ministre du Territoire, a procédé à la coupure du ruban symbolique et au dévoilement de l'enseigne lumineuse de cette nouvelle agence gouvernementale. Un reportage de Julien Piana et José Baïtouambo. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luandumboyo, a procédé ce jour à la coupure du ruban symbolique et au dévoilement de l'enseigne lumineuse de cette nouvelle agence gouvernementale. C'était en présence notamment de plusieurs autorités politico-administratives. La mise en place de la NAT matérialise la vision du chef de l'État, celle de l'exécution de projets de création de nouvelles villes et de modernisation de villes existantes ainsi que certaines autres infrastructures de base. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, lui dont la bonté et la faveur rendent possible la cérémonie qui nous réunit ces jours mémorables. Aujourd'hui, plus qu'hier, mon cœur est rempli de gratitude envers Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui porte quotidiennement le lourd fardeau du bien-être du peuple congolais par sa vision éclairée et éclairante qui accorde une place de choix au secteur de l'aménagement du territoire dont il a décidé d'en faire un pilier important du programme du gouvernement. Auparavant, le directeur du cabinet du Premier ministre a souhaité longue vie à cette nouvelle agence qui entre dans la droite ligne de la politique gouvernementale dans les domaines de l'aménagement du territoire. Pour rappel, l'Agence nationale d'aménagement du territoire a comme objet social la modernisation de villes existantes, la planification, la conception et l'aménagement de nouvelles villes et le développement de territoires en collaboration avec le ministère sectoriel et le province. 4 milliards de francs congolais, soit plus de 2 millions de dollars américains investis par le gouvernement de la province du Maniema pour la réalisation de plusieurs infrastructures. Rodé Panda pour le reportage.
Pachi Béton, ce credo admiré par les Congolais, a harangué la foule lors de la matinée sociopolitique organisée le samedi 8 octobre 2022 au terrain du stade Mangobo, dans la commune d'Alungouli, par le député provincial Onama Bitika Pascal, matinée consacrée à l'information et la sensibilisation sur les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au milieu de ses frères et sœurs, Onama Bitika, surnommé par affection Petit Béton Champion, a saisi cette opportunité du meeting pour démontrer les réalisations du président de la République, aussi bien au niveau national qu'au Maniema en particulier. De la gratuité de l'enseignement en passant par les efforts consentis pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et fonctionnaires de l'État, aujourd'hui, nous sommes dans le vaste programme de développement local de 145 territoires, initié par le premier de tous les Congolais, 4 millions de francs congolais, pour les routes, les infrastructures socio-économiques de base en Maniema. Rien n'a été oublié par cet élu de Kindu, un membre du bureau politique de l'Union sacrée de la Nation. Très attentive et persuadée par le message de leurs représentants au sein de l'organe délibérant du Maniema, la population de Lungouli n'a pas hésité un seul instant pour réitérer et confirmer le vote majoritaire à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle prochaine. Notez, il y a des signes précurseurs qui ne trompent pas. 2023, c'est déjà aujourd'hui. Et puis le parti présidentiel se prépare pour les échéances électorales de 2023. Dimanche dernier, son secrétaire général adjoint en charge de l'implantation a échangé avec les membres de la cellule Matongi 3 sur les questions liées au processus électoral. Alain Bika y était présent. Le train des élections est en marche au parti d'Étienne Tshisekedi. La cellule de base Matongé 3 s'est mise en ordre de bataille pour affronter les élections de 2023. Le dimanche 9 octobre, le secrétaire général adjoint en charge de l'implantation et la communication, Gaspard Mopili, était devant les membres de cette cellule pour les sensibiliser sur les enjeux politiques de l'heure. Aux jeunes, Gaspard Mopili recommande la mobilisation générale pour défendre la patrie agressée par les Rwandais. Ensuite, l'interfédéral Grand Équateur et la Grande Orientale a présenté à la base la fille du premier secrétaire général de l'UDPS, Adrien Pongo, nommé administrateur à l'OCC, avant de lui prodiguer des sages conseils qui doivent l'aider pour se distinguer de la gestion des affaires de l'État. A cet effet, le président cellulaire a saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État et saluer le leadership rassembleur du secrétaire général Augustin Kabouya pour la confiance placée à l'une de leurs, Aimé Pongo Dilou. Notre joie est immense de voir un membre de notre cellule être nommé par une ordonnance présidentielle. Nous supplions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de continuer le processus amorcé afin de placer les combattants de l'UDPS en ordre de bataille pour les élections à venir. À son tour, Aimé Pongo a invité les cadres et combattants à œuvrer pour la redynamisation du parti, surtout la réélection de Fatshi en 2023. Enfin, mise en service le 23 août dernier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la nouvelle usine de captage et de traitement d'eau potable de Lemba Imbu continue de fonctionner de façon ininterrompue. Ce week-end, elle a donné accès à ses installations à une délégation de la dynamique Lakisa Bilembo de Fatshi, venue s'imprégner du bon fonctionnement de cette usine ultramoderne. Dieu merci Sueka, Serge Mata pour le coup. Après la mise en service du premier module de 35 000 m3 d'eau par jour, la nouvelle usine de captage, de traitement et de distribution d'eau potable de Lemba Imbu par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'approvisionnement en eau potable des habitants de Kimbanseki et d'Enjili s'est considérablement amélioré. Les familles ne parcourent plus de longues distances à pied à la recherche de cette denrée vitale. La délégation de la dynamique, la Lakisa Bilembo ya Fatshi, conduite par son coordonnateur national, s'en est rendu compte lors d'une descente effectuée dans les installations de cette usine moderne. Elle a ainsi visité tour à tour les ouvrages, les captages et les dessablages
câblage d'Aubrite en passant par la station de pompage d'Aubrite avec comme point de chute les ouvrages de la chaîne de traitement d'eau potable de cette même usine, partout où Valère Béat et toute son équipe sont passés. Les explications détaillées leur ont été fournies par les chefs d'usine de Lembaimbu, ingénieur Fanao Lushimba Emmanuel. Satisfaction du coordonnateur national de la Kisabi Lembu et Afachi. Particulièrement aujourd'hui, celle de la Tchangou bénéficie d'une eau saine, pure et potable. J'en profite pour lancer ce message à toute la population de la Tchangou d'accompagner les chefs dans ce périple. Lancé le 1er juillet 2019, les premiers modules de l'usine de captage, de traitement, de distribution d'eau potable de Lembaimbu a été inauguré le 23 août dernier par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Et puis ce communiqué avant de boucler ce journal. La Cour de cassation invite tous les premiers présidents des cours d'appel à prendre des dispositions utiles pour rejoindre Kinshasa au plus tard le vendredi 14 octobre 2022 pour prendre part à l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire exercice 2022-2023 prévue le samedi 15 octobre 2022 à 11h dans la grande salle d'audience Marcel Liaou Eboua. C'est un communiqué signé le premier président Touka Ika Bazungula, directeur de cabinet. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Serge Mata revient sur ce plateau à 23h. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.